La Semaine Bleue est l'événement annuel qui met à l'honneur les seniors durant toute une semaine. À Montélimar, on a le souci de s'en occuper toute l'année. Alors, comme je dis, c'est bleu toute l'année. Nos retraités montiliens ont eu un programme bien chargé avec tous les jours une nouvelle activité. Ils ont pu s'échauffer en musique au son de l'orchestre d'Amandine Musichini pour un incontournable rendez-vous, le thé dansant. Qui est bien apprécié, nous avons eu près de 300 inscrits. C'est également l'occasion de créer des liens entre les générations autour de rencontres thématiques intergénérationnelles. C'est dépensé ça, c'est un quoi ? C'est dépensé. Un œil d'Inde, je me suis trompée. Ce matin, on est rentré dans les serres et on a observé des plantes, plusieurs plantes. Je croyais qu'ils prenaient des feuilles en plastique. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé rencontrer des personnes âgées. J'ai aimé apprendre de nouvelles choses. Ça me plaît, surtout que j'ai vu qu'ils s'intéressaient, ils posaient beaucoup de questions. Et on fait différentes couleurs, comme des masques, comme un dessin. Quoi de mieux pour continuer la journée qu'un après-midi jeu de société ? Qui c'est qui gagne ? On va passer à la télévision. Jeunes et moins jeunes peuvent ainsi s'unir ou s'affronter le temps d'une partie. Et dans tous les cas, s'amuser ensemble. C'est bon, il a gagné. Ils ont ensuite fait un bond dans le temps et sont retournés sur les bancs de l'école. Ces messieurs dames veulent repasser leur dictée et leur certificat d'études. Donc, pourquoi les décevoir ? On avait une belle classe, près d'une trentaine de, pas d'enfants, mais d'aînés, de seniors très studieux. Donc un bon moment partagé, voilà, on s'est bien amusé, surtout on a partagé les corrigés, on a bien échangé et bien sûr tout le monde est parti avec un petit cadeau et les lauréats avec leur certificat qu'ils pourront encadrer. Une sortie était aussi au programme sous un beau soleil pour découvrir les arènes de Nîmes et son musée de la romanité. Pour les seniors résidents des établissements spécialisés, c'est la Semaine Bleue qui est venue à eux à travers les élus de la ville pour les saluer. On est dans la plantation. Ça, c'est un cadeau de la mairie. Voilà, c'est très important parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Il ne faut pas se plaindre. Un passage exceptionnel. On va se revoir bientôt. Il y a les fêtes de fin d'année. On sait qu'il y a beaucoup de Montiliens de cette tranche d'âge qui vont être présents aussi. Donc on va se revoir bientôt.